les préoccupations, elles sont toujours là. Mais le plus important que je retiens, c'est d'abord le côté positif. L'Afrique est d'accord pour parler d'une seule voix. Et ça, c'est important. Maintenant, tout ce qui concerne notamment les financements est en train d'être négocié parce que les perspectives ne sont pas très claires. Qu'est-ce que nous allons pouvoir bénéficier en tant qu'appui d'engagement des autres partenaires? Mais également, et ça aussi c'est important, il va falloir que toutes les commissions qui ont été mises en place puissent vraiment jouer leur rôle. Et les initiatives qui ont été adoptées depuis Paris, notamment sur les énergies renouvelables, sur l'agriculture durable, etc. Il faut vraiment que nous soyons ensemble engagés pour que nos idées soient entendues et que nous puissions mobiliser les ressources. Vous savez, l'insécurité, on dit, elle est résiduelle, mais le pays doit continuer à se développer et je pense que les populations à la base ont besoin d'accompagnement. Il y a des programmes qui sont en cours, qui sont exécutés à travers des ONG, à travers certaines institutions. Le travail est en cours. Les communes sont engagées, les collectivités sont engagées pour leur développement. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important pour nous. Vous avez eu des exemples qui ont été partagés. Les collectivités seront les chevilles ouvrières de leur développement. Et nous sommes là pour les accompagner, pour les appuyer. Nous continuons la mobilisation des ressources. Nous avons une stratégie nationale de développement du nord du Mali. Et donc, nous sommes engagés en tant que gouvernement à accompagner nos populations pour leur développement, mais également pour la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Vous savez, la communication, la sensibilisation, elle doit se faire tous les jours. Nous avons eu depuis quelque temps des programmes de sensibilisation, de formation, d'information en matière notamment d'environnement. Nous allons continuer à le faire parce que nous avons des documents importants et nous devons faire en sorte que les populations s'approprient tous ces mécanismes-là qui permettront de mobiliser des ressources.